Après le secondaire à S2G, j'aimerais bien aller à Paris pour pouvoir poursuivre mes études dans le design. Parce que là, on fait plus de la couture et moi, c'est vraiment le design que j'aime bien, que j'adore. Et après, pouvoir me faire un nom dans le métier et peut-être, pourquoi pas, reprendre une grande maison de couture ou même avoir ma propre marque. J'envisage de rester dans ce secteur, mais plus dans une spécialisation du luxe. Du coup, j'aimerais bien aller faire mes études en France, un bachelor de 3 ans en France, pour après ouvrir ma propre entreprise de prêt-à-porter de luxe. À l'heure actuelle, on peut commencer en 3e, qualifiante ou professionnelle. Donc, les options sont organisées pour l'instant par 11 écoles de l'enseignement secondaire ordinaire, 10 de l'enseignement secondaire spécialisé et 4 en promotion sociale pour notre réseau. Je pense qu'il y a des représentations tout à fait indues qui traînent encore dans l'esprit du grand public par rapport à la formation qu'on donne dans ces sections-là, des représentations un peu surannées d'ailleurs. Et je crois que pouvoir montrer ici combien c'est un travail de pointe, mais un travail créatif aussi qui s'effectue dans ces sections-là est une opportunité qu'il ne fallait pas rater. Une tendance professionnelle, une vraie tendance faite par un vrai bureau d'études. Il s'agit d'un projet qui a duré une année scolaire complète, qui a réuni 10 écoles autour de la création d'une collection unique, mais de A à Z, à partir des dessins, à partir de l'application d'une tendance, jusqu'à la réalisation et alors à la présentation lors du défilé des tenues. Les jeunes doivent développer énormément de patience, de persévérance, de précision. L'important, c'est aussi de travailler la qualité du travail. Je pense que quand le jeune travaille la qualité, alors ils sont là très très fiers de ce qu'ils ont produit. Quand on est vraiment très exigeant au niveau de la qualité, ils sont fiers. Et voilà, ça c'est ce qu'on travaille chez les jeunes. Être au courant de ce qui se passe, être dans l'air du temps, parce qu'on a un métier, il ne faut vraiment pas sombrer dans le ringard. Donc il faut vraiment faire très très attention, être à l'écoute, se documenter, échanger énormément avec des personnes de différents milieux. Il ne faut pas se cantonner dans sa petite classe. Ce qui se pratique aujourd'hui dans les cours, dans les ateliers des écoles qui organisent les options du secteur, c'est un travail de création, c'est un travail de réalisation précis, poussé, avec du matériel professionnel, du matériel industriel dans la plupart des écoles. Il faut s'enrichir, il faut s'entourer, il faut vraiment se remettre en question en permanence et puis rester au courant, rester attentif, vraiment ne pas rester sur ses acquis. Voilà, donc se perfectionner, c'est pas toujours au niveau des techniques parce que c'est vrai que les techniques textiles n'ont pas complètement changé quand on fait un vêtement, mais il faut que le vêtement reste actuel, il faut qu'on ait des projets d'avenir avec le vêtement et puis les nouvelles technologies aussi, donc il faut continuer à se former en permanence. Je trouve qu'on a des très bonnes professeurs qui nous expliquent très bien le métier et comment l'appliquer.